Bon, on a dessoudé les prompts, on a dessoudé les prompts comme vous voyez, et pour ce genre de prompts, c'est comme ça. Comme vous voyez, ce ST, c'est le constructeur ST 95 320. C'est comme ça se lit. Bon, comme dans la formation de le flash disk, bon, le numéro 1, c'est la patte numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est comme ça on lit les pattes. Hein. C'est le constructeur ST, les prompts 95 320. On le met dans le support de programmeur et on va. Bon, après de mettre dans le support, bon, la patte numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, dans le programmeur, il y a cette patte-là jaune. C'est la patte jaune, comme vous voyez, jaune. C'est numéro 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. C'est comme ça, ça. Bon, c'est comme ça. La patte numéro 1, elle est là. Dans le support là, la patte numéro 1, elle est là. Ok, bon. Qu'est-ce qu'on fait? On branche notre programmeur. On ouvre notre logiciel, programmeur, comme vous voyez. Bon, la première des choses, comme vous voyez, on voit là, read, save, open, new, write, vérifie. Bon, la première des choses, on fait la sélection là. Nous avons lire un EEPROM. Le voilà, EEPROM, MCU, ECU, Immobilizer, Dashboard. On va lire un EEPROM. OK. Alhamdoulilah. Bon. Le constructeur ST. Quel EEPROM? Comme vous voyez, bon, l'EEPROM, le 24C64. Le 95 160, le M 95 160, c'est identique, hein? Et l'essentiel, le bon numéro là, 95 160, 160 c'est la capacité. Ok, celui-là. Il te donne, hein? Là, il te donne comment brancher les proms. Le voilà. La patte jaune là, la patte jaune c'est numéro 1, 2, 3, 4. Et 5, et 6, 7, 8. Comme vous voyez là, la pâte jaune, la voilà la pâte jaune. La pâte jaune, et lui là, comme ça. Ok. Tout simplement, on clique sur Read. Après une bonne sélection comme ça, regardez très bien. Chip et prom et flash. Le brand, la marque constructeur ST, le chip c'est le 9560. Ok, c'est très bien. Et voilà le diagramme. On peut voir aussi le diagramme là. Le voilà. Bon, là, c'est on lit sur le EEPROM. Read, tout simplement. Read. Comme vous voyez, initialisation 6 field. Regardez. Qu'est-ce qu'il nous dit? Qu'est-ce qu'il nous dit? Chip not connected. OK. Bon. On répète la procédure là. Peut-être quelques pattes, elle n'est pas branchée bien. Ou il est inversé, hein? Ou nous avons inversé ce EEPROM là.
Toujours. Toujours ship not connected. Bon, je vais démonter. Je vais le démonter. Attendez. Après, nous avons réglé bien avec la fer à souder les pattes de ce éperon là. Et on va lire. Bon. Tout simplement, voilà la sélection. Et tout simplement sur read. Read. Comme vous voyez, opération 6. Opération 6. Voilà notre éperon. Voilà. C'est notre éperon. Le voilà. Le voilà. Comme vous voyez. Le voilà notre éperon. Qu'est-ce qu'on fait? On fait save. Save. Attendez un peu, il y a du louche. Il y a beaucoup du zéro. Peut-être il y a une patte qui n'est pas connectée, je ne sais pas, je vais le répéter. Hein. Je vais répéter la procédure. Non, non, je vais répéter la procédure. Je vais démonter et répéter la procédure. On continue. Bon, on continue. Bon, on continue. Read. Read. Opération 6. Comme vous voyez, c'est le voilà notre dump. Le voilà notre dump. Notre fichier TEPROM. 95 320. Attendez, attendez. Mais qu'est-ce que je fais? Il y a une faute, il y a. Notre EPROM, c'est notre EPROM, c'est le 95. Notre EPROM, le 95 320. Et moi, j'écris le 95 160. Vous regardez cette erreur. C'est le 320 et pas... 320, 95, 320. Ok. Il y a beaucoup de zéros, c'est du louche. Bon. Vous voyez la faute. J'ai écrit 95, 160. Et les proms, c'est 95, 320. Bon. Read. Bon, comme vous voyez, reading 100%, end communication, opération 6 field. Ah, voilà notre fichier. Ah, voilà. Notre fichier. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Save. Save. On save dans les dumps, dans nouveau dossier, les dumps nouveau dossier. Non, je vais mettre dans le bureau. Je le mets dans le bureau. Je le sauvegarde dans le bureau. Bureau. Bon, le bureau. Qu'est-ce qu'on fait? On écrit EPROM. 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 95 320 SID 206. Le calculateur SID 206. Et on fait enregistrer. Enregistrer. On ferme notre programme comme ça. Et on cherche notre dump où il est, notre dump dans le bureau. On le cherche là. On le cherche dans le bureau. On le cherche dans le bureau, notre dump.
Qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai écrit éperon. Ah oui, éperon. Le voilà, le voilà, le voilà. Éperon, le voilà. Éperon 75 320 site 206. Le voilà. Bin. C'est un fichier binaire de 4 kilos, comme vous voyez. C'est un fichier binaire de 4 kilos. C'est très bien.